sens le marteau dans ta main qui trépigne de vouloir. C'est presque si c'est le marteau qui te tire en avant pour aller se battre. Mais le marteau, je l'ai reposé sur l'enclume. Ah oui, merde. On recommence. Bah ouais, on recommence. Donc. Espèce de créature dans l'eau hein. En forme serpentueuse complètement hideuse qui vous regarde. Init yeah. J'ai fait un. Moi j'entends rien, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? En plus ça me tire à côté, comment tu veux le casque, il est alors... trop épais. Où tu sonnes comme une casserole avec de l'écho. Oh. Je dois faire une init aussi, moi. Ah merde, je l'ai relancé. Ah. Putain. Je crois que je suis jaloux, mais... Never miss an opportunity. Ouais, mais... Et en t'as... plus, j'ai évité de foutre la merde. Alors, hein, moi je la fermerai parce que toi t'as reçu 3 loups. Moi, je suis inconscient déjà. Par terre. Alors ta non, gueule. Non, t'es devenu un fantôme, mec, c'est trop cool. Ouais. Trop cool, ouais. Et puis je te rappelle que si on est là, c'est pour toi. On vient le sauver là, si ça tenait qu'à nous, on t'aurait laissé devenir un arbre et puis on n'en parlait plus, hein. On va faire le replay. Si, je te rappelle que si on est pour là, c'est pour toi. Tu verras sur la vidéo, je te jure, c'est dessus. Est-ce que l'espèce de verre là voit à travers le mur ou pas? Dans l'idée qu'en fait ma chauve-souris elle soit pas ici mais qu'elle l'attende. Oui. Là, juste là, ouais. Ouais, sans qu'elle soit vue ou savoir si en fait le jet c'est la okay. L'espèce de verre qui m'attaque, si en fait si ça okay. Protège. En fait, c'est ça ma question. Et puis si il passe le truc, qu'elle prépare une attaque. Ouais, exactement. Ok. Okay. Bah moi, je suis toujours dans le rituel, donc. T'es occupé dans le rituel, ouais. Ah voilà. Ouais. Alors je les vois, je la vois la créature ou pas? Oui tu la vois, ouais, elle est dans l'eau. Hein. Est-ce que tu la vois? Maintenant je la vois parce que j'ai fait un. Ah oui, maintenant tu la vois. Bah oui, avant tu la voyais pas. Je ferai pas de placement. Elle fait combien? C'est un énorme serpent. Enfin un adversaire de lutte. Digne ce nom. Je vais, j'essaie de prendre en lutte. Je suis sûr que t'as prévu le coup, mais je m'en fous. Pour moi, c'est un challenge. Lutte. Alors, protocole de lutte. C'est pour l'attaque. Contact, non, d'abord. Ouais, le touch. Ouais, c'est tout bon. Ok. Donc, tu arrives à saisir l'adversaire. Maintenant, il faut que tu assures ta prise. Donc là, il faut que je fasse mon jet de... Lutte opposée. 30 grapple. 24. Tu arrives à saisir le serpent. Voilà. Pas mal, petit serpent. Et tu peux donc infliger des dégâts. Infliger des dégâts égales à ceux d'une attaque à main nue. Alors, là, je prends ceux que t'as fait en haut. Hein. Ou bien tu veux lancer. Ouais, tu peux prendre ceux que j'ai fait en haut. C'était combien? Ah, waouh, wow, ouais. Ouais, ben ouais, prends ceux-là. On peut faire ça comme ouais. Ça aussi. On peut faire toujours ça comme ça si tu veux. Ah, ouais. Oui. Hop. Alors, il commence. Vous voyez comment Awal commence à l'étrangler comme un vulgaire serpent de. Ah, il est fort le serpent, mais il est pas de taille contre Awal Skymaster. Les loups se mettent à mordre. Les créatures. Et ensemble, ils infligent 43 dégâts. Et déchiquent la bête. Qu'ils n'ont pas eu de peine à toucher, car tu la tenais.
ici, la bête s'avance, ce qui donne et ce qui déclenche l'action de la chauve-souris. Bah oui, le problème, ouais, comme tu la tiens. 18. Ça touche et ça fait 10 dégâts. La naga se retourne et rétorque aussi avec une morsure. C'est mal. Ça passe pas parce qu'en CA j'ai 26. Et l'autre naga ici se dresse et envoie un autre jet de d'acide sur Balin. Sur je dresse mon bouclier. Balin. Ne souille pas mon armure. Alors, jet d'attaque s'il y a de contact, 11. Bon, des dégâts d'acide. T'es en train de ruiner mon armure, quoi. J'y crois pas. Non, c'est ça, c'est t'as touché sur la main. Ah. Et donc, tu prends un dégât. T'as une réduction de dommages de 5. T'as une RD5. T'as une putain de RD5. C'est déjà alors, une RD1, c'est incroyable. Mais une RD5, c'est. J'ai pas vu ça. C'est genre immortel. Mais. Comme j'ai dit, t'as pas encore découvert toutes les caractéristiques de ton arme. Ok. Pas jaloux. Je peux taper avec mon armure. Tu veux te mettre au corps à corps, je peux te montrer. Tu fais comme ça. Autour de toi, Rémi, tu sens ton esprit se matérialiser. Hein? Sous cette. À l'intérieur de. D'une créature sous forme d'arbre. Ouais! I am Groot. Les autres me voient. Oui, vous voyez qui vient de pousser. Il y a des espèces de racines qui viennent de sortir du corps de Rémi et faire pousser cette créature. Ah ouais, clairement. Je fais des attaques à plus 12, c'est ça? T'as quand même 29 de force, quoi. C'est la fin de mon tour, c'est ça? Non, tu peux agir. Hein. Hein, je me tourne vers Fandral, puis je fais... Salopard, regarde ce que t'as fait! Et je le vois toujours pas. Si, là il est visible, là, tu fais semblant de pas le voir. Ouais, exactement, je fais semblant de pas le voir. Je vais vers ce truc-là. Je vais lui en coller une. Ouais. Voilà. Ouais, ça touche. 18 dégâts. Bon, la monstre pété. Hein. Vous êtes des salauds. Vous m'avez transformé en arbre. Ou je parle aussi comme un arbre. C'est ma voix. Ouais, tu parles aussi comme un arbre. Ou je parle comme ça. Une vraie langue de bois. Je comprends ce qu'il dit. Tu fais très bien l'arbre. Merci. Il y a un léger accent, mais c'est pas mal. J'essaie Aline. De faire le frein, mais... Tu te sens comme tu trépignes de rejoindre le combat. je vais au contact. Et puis je lui mets un coup d'épée dans sa mouille. Alors... Au moment où tu t'approches... Quand tu t'approches, t'es surpris par son allonge et tu te prends un coup de queue avec un dard empoisonné. Il y a tout qui est empoisonné chez ces machins. Toujours, le poison, il y a tout qui est bon dans le poison. Par contre, contre ta CA, normal. Non, ça passe pas. Je pense bien. Ouais, c'était une petite attaque. 15. 15, non, ça touche, ça passe pas. Cesse de bouger, vipère! J'entends ça, moi? J'entends ça? Ah oui? Si tu veux, je vais maintenir pour toi, Balin.
Fandral. Ouais, c'est la chauve-souris qui attaque. Ouais. Tu te dis que si tu réussis un jet de concentration, hein, tu peux lancer un sort sans interrompre le rituel. Mais oui, tu peux attaquer avec la chauve-souris. J'attaque un 21, ça touche. Dégâts 9. Et mon jet de concentration. Des 15. Ah ouais, 19. Ouais. Très bien. Donc tu arrives à ta concentration. Je peux pas te déplacer. Fuck. Ok, bon bah qu'est-ce que j'ai pris comme sort pour le coup? Pour le coup. Écoute, je crois que je vais partir plutôt sur un. Je pense à un loup sanguinaire. Même si on a déjà encore. Oh, un round. Ouais. Donc il viendra prochain tour. Ouais, ça marche. Ah voilà. Il y a les loups en train de bouffer là. Ouais, moi je me fais 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vois? Ah, il y a l'arbre qui est en train de se battre contre un autre serpent là-bas. Tu vois un autre contre un arbre, une chauve-souris. Tu vois Harmonie, Rémi en train de dormir. Ok, alors je fais encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, je suis au milieu de la salle et je peux réagir au prochain tour. J'ai fait deux mouvements. Ok. Le naga recule d'un pas et lance un sort. Attendez, marmonner la chauve-souris à. Fais-moi un jet de volonté pour la. La chauve-souris. Pour la. Ouais, la. La chauve-souris résiste à la suggestion. Ici aussi, le naga fait la même chose sur Balin. Et puis, je dois faire donc. Fais-moi un jet de volonté, de will. 9. Donc, à ton prochain tour, tu te mettras à courir pour t'éloigner le plus des nagas. Trop cool. Bah, non. Rémi. Oui. Mais tellement tu tapes dans le mur et tu te casses. Tu tombes dans l'eau. Balin, non, toi tu fuis. Jusqu'à ce que t'as atteint le couloir là en bas. Tu fais donc double déplacement. Hein. Ouais, c'était cool. Ciao. Chauve-souris. Bah, elle va aller là, puis elle va aller attaquer le naga. Toujours. Ok. Ouais, ça c'est du critique. Ouais. Confirmé. Le naga est quasiment brisé en deux. Et que fait Fandral? Fandral, il finit son invocation. Je continue de faire mon invocation. Awal. Bah, je me. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je prends une charge. Alors, par contre, il te met aussi. Il te met une attaque. Ça passe. C'est égal, ça passe. C'est juste. Ouais. Ça fait 13 dégâts. Ouch. Et. Fais-moi un jet de vigueur. Okay. De fortitude. Ouais. Ouais. Tu échappes à l'effet du poison. Hein. Grand jeu. Ah, et je tape. Voilà. Bam! Ça touche. Point de dégâts. Tu lui mets un. Non, hein. Attends.
Elle va se faire un plaisir de rétorquer, hein. À coup de morsure. Gratté, hein. Elle recule et disparaît. Rémi. Je jette un petit coup d'œil. Comme je vois rien. Okay. Voilà. J'ai fait un double déplacement. Baline continue à courir. Fandral, la chauve-souris. Je vais faire un jet de perception auditive. Ah, ok. Donc la chauve-souris repère la naga qui est ici. Ok, très bien. Tout de suite, quoi. Ah, parce qu'elle elle peut le détecter avec son sonar. Même si la naga s'est rendue invisible, avec le sonar, elle, okay, elle le perçoit quand même. Ok, bah du coup, je l'attaque. Je l'attaque à 26. Ça touche. Ce qui, au fond, là, naga qui réapparaît. Je continue mon rituel. Pour le coup. Ok. Awal. B, je vais l'étrangler. 19 ou... 19. Oui, ça touche. En contact, oui, ça touche. 24 pour la lutte. Alors moi, je fais en lutte... 18. Donc... Okay. Tu es en lutte avec la naga, donc tu peux lui faire des dégâts à main nue. J'essaye de mettre un bras autour de la gorge pour qu'elle puisse pas faire des sorts. Ok, donc tu faisais 10 dégâts avec ça. Du coup, la naga essaie de te mordre quand même avec son arme naturelle. Mordre et de te frapper avec la queue. Et ça passe pas. Rémi ? Ben, je vais là et puis je la tape. Dépêchez-vous de la tuer, j'arrête pas de courir. 24. Ça touche. 12 dégâts. J'aurais pas pu faire pire. Enfin, si, j'aurais pu faire 11, mais. Ah, en plus, elle était tenue hein, par Awal. Baline, hein, t'as plus peur, hein. t'es assez éloigné. Hein. Oh, tu peux revenir. Qu'est-ce qui m'a pris? Bah, du coup, je reviens une double distance. C'est la peur naine, c'est bien connu. Où vous êtes? Où est-ce qu'elle est, cette petite serpillière que je lui pourfends le crâne? Voilà, j'ai fait mon déplacement. Quand tu arrives sur l'hôtel, tu vois le... Tu vois la... L'orbe là qui est en train de se remplir avec cette lueur jaune. Fais-moi un test de connaissance de artisanat forge. 27. Ouais. Alors là, t'es certain... Elle est pas assez résistante, il faut absolument que tu trouves un moyen de la renforcer, sinon elle va céder. Tu vois ça sur les contraintes et tout, comment elle s'est déformée. Là, ça va pas aller, ça va pas du tout. Il doit avoir une pression absolument phénoménale. À l'intérieur, il faut absolument que tu trouves un moyen de créer un renfort, sinon elle va péter. Alors, chauve-souris. Je te laisse là, vas-y, fais-toi du mal. Oh putain, est-ce que la deuxième orbe est là? Oui, elle est là, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas splitter la... Je vais demander. Ouais, peut-être. J'attaque à 22. Et je fais 8 dégâts. Qu'est-ce que tu attaques? Pardon. Ah, le... tu attaques. Ok, la chauve-souris continue de s'acharner sur le cadavre. Très bien. Oui. Voilà. Voilà. Fandral. Putain, j'étais sûr que j'avais oublié qu'elle était morte. Tu sais, ça arrive dans les combats. Des fois, tu continues de taper quelqu'un qui est déjà mort. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Ça m'est arrivé plein de fois, tu sais. Est-ce que moi je vois quelque chose par rapport au rituel, quelque chose qui commence à changer par rapport avec... Ouais, tu penses que tu touches au bout là, encore un petit moment, quelques instants et puis ça sera fini. Ok. Par contre, fais-moi un jet de connaissance arcane ou nature. Je fais 21.
Oula, par contre, tu sais pas ce qui s'est passé, mais il y a l'âme de Rémi aussi qui est sortie du corps. Il faut absolument qu'il rentre avant que le rituel se termine. Ok. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Fred, tout va bien. Ok. Il faut absolument que l'âme, tu sais pas où elle est passée, son âme, mais il faut absolument qu'elle réintègre. Hein. Ok. Peut-être qu'il peut t'entendre, peut-être qu'il est sur un plan, peut-être qu'il est en forme astrale. Okay. Ok. Ok, du coup, c'est le moment où mon personnage se réveille finalement après avoir été trop concentré sur son rituel. Et puis, je crie Rémi, t'es là! Rémi, tu entends Fandral qui... Est-ce que tu essayes de dire quelque chose encore? Bah moi je dis Non mais Fandral! Rémi, ramène-toi! Ramène-toi si tu veux réintégrer ton corps, ramène ton cul ici! Ok, Awal. En prise de lutte. Ouais. Avec une naga dans une. Bah j'essaye de briser la nuque. Oui. Donc tu peux faire ton jet. Bah tu fais un jet d'attaque puis ça fera les dégâts. Ouais. Douze dégâts. Ah il commence à être sérieusement endommagé. Oui, santé. Ah tenter de lancer un sort. Mais faut qu'il réussisse un jet de concentration. Non, elle y arrive pas. Alors, Rémi. Je peux faire une attaque puis ensuite un déplacement? Oui. Bon, bah, je tape encore une fois sur l'arbre. Sur la. Le naga. Le naga. L'arbre, c'est toi. Oui. 16. 16, c'est bon, ouais. Grâce à l'immobilisation de Awal. 16 dégâts. Wow. Et 16. Et ça suffit. Le naga cesse de bouger. Prune tombe de mes feuilles. Je vais vers Fandral. Et puis je te dis. Salut vieille branche. Aline. Du coup, alors moi je vais devoir forger un truc. Je cherche s'il y a du métal autour de moi. Toujours du métal autour de toi. Ouais, ton kit de forge. Il y a des yeux, il y a des pièces, hein, y a du matériel. Ou bien alors, tu te dis peut-être le meilleur métal à utiliser, ce serait l'orbe qui est là, celle qui est trop petite. Ouais, bah c'est ce que je vais utiliser. Donc je veux découper l'orbe en petits morceaux que je vais mettre dessus puis fixer ensemble. Ok, fais-moi un jet de forge. Que dit le book? Ah oui, je me souviens. Réparation d'orbe dans les souterrains en urgence. 20. Excellent. Ouais. T'arrives à fabriquer à sortir un anneau de l'autre orbe, l'étendre et l'utiliser comme renfort de la grande orbe. Fandral. Je regarde Rémi puis Là tu dis ça va être délicat. Il faut que tu ramènes son âme dedans. Fais-moi un jet de concentration. Ouais. Hein. T'as intérêt de pas te louper là. Faut pas dire ça. Ça prend... Alors. M'en fous, t'intéresse pas louper. Ah là là, c'est difficile, pas encore. Encore un petit peu. Du coup, je regarde la branche, puis je dis vieille branche.
Je sais pas, essaie de te souvenir de quelque chose, il faut que t'arrêtes. Si je foire le rituel, tu seras fusionné à jamais avec l'esprit de la forêt. Ton arbre. Dans un arbre. Du coup, il faut que tu te souviennes de, je sais pas, de plein de choses. Essaie de te remémorer, donne de la force à ton âme pour qu'elle puisse revenir dans ton corps. Ah voilà. Mais je retente. Je retente. Qu'est-ce que tu veux retenter ? Je retente de lui casser le cou. Mais je l'ai tué. Elle est morte là. Elle est morte là. Ah, elle est morte. Ouais. Ouais, fais pas comme moi avant. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a plus personne ici. Il n'y a plus d'ennemis. Bravo Sherlock. J'ai entendu la conversation entre Sandral et l'arbre. Ouais. En passant, quand je cherche des ennemis, je retourne vers Sandral et je fais « Hey, t'as pas les pièces d'or ?» Rémi. Non. Tu as une vision. Sandral, je fais « Hey, t'as pas les pièces d'or ? Montre-les à... Montre-les ouais. à Rémi. » Mais sors tes pièces d'or aussi, je suis concentré. J'ai jamais pièces d'or sur moi, c'est tout. Rémi, tu as une vision. Hein. Tu as une vision. Hein. Tu entends une voix. Rejoins-moi. Rejoins-moi. Passe la porte. Rejoins-moi, nous serons heureux. Ensemble, nous serons heureux. Nous avons été heureux ensemble jusqu'ici. Nous pouvons continuer d'être heureux. Mais t'es qui ? Rejoins-moi. Je suis celle qui t'aime et qui t'a toujours aimé. Maman ? Rejoins-moi. Non mais... c'est bizarre ta porte. Ça paye ? C'est combien ? Je croyais que tu voulais retourner dans la forêt. On retournera ensemble. Non mais moi j'aimerais bien retourner dans une taverne. Retournons. Moi, j'aime bien les forêts, mais pendant les vacances, tu sais, avec... Fais-moi un jeu de volonté, de will. Non. Si. Fais un jeu de volonté contre le MJ. 16. Ah, tu t'agrippes, mais tu sens comme lentement le portail est en train de t'aspirer. Mais tu te bats et tout, mais ça t'aspire lentement. Baline. Moi j'ai fini mon travail, je regarde ce qu'il reste à faire. Ouais. Là ça a l'air de tenir et tout. Vas-y l'arbre, rentre dans ce corps maintenant. Fondral. Un autre jet de concentration. Hein. Je fais un jet de concentration. J'ai fait 24. Tu arrives au dernier moment. Au dernier moment, je saisis quelques pièces dans ma bourse et je les lance. Je les lance pour que ça fasse du bruit en fait par terre. Tu arrives à. J'écris Rémi, imagine-toi tout l'or que tu peux amasser, ramène-toi, puis toutes les meufs que tu peux te taper, ramène-toi. Puis je continue de lancer des pièces. Tu arrives à faire que l'âme de Rémi. Réintègre, sort de du Trent qui disparaît et réintègre le corps de Rémi. Tu réussis à achever le rituel. Rémi se réveille et vous avez une orbe luant d'une lueur jaune-verte qui vit à vos pieds. Putain les gars, j'ai eu un rêve vraiment bizarre. Alors il y avait des serpents bleus qui nous attaquaient. Mm-hmm. Et puis et ensuite il y avait une porte et tout, elle me parlait. Mm-hmm. T'aurais pas donné ce truc à boire. Oui, ça arrive, c'est quand tu sais les trucs de druide, ça fait rêver. D'accord. On peut rentrer à la maison là, on a fini ? Ouais, pas de problème. Ouais. Tiens, il y a... Le loup sanguinaire apparaît. Oh. Du coup, je récupère mes pièces qui sont par terre. Hé, il y a de l'or, trop cool. Voilà. Du
que vous ferez avec l'orbe et comment vous sortez de la forteresse. Cela vous sera compté dans d'autres et aventures. Dans de prochaines aventures. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donnez des pouces bleus. Et bientôt aussi notre propre jeu de plateau Ultimus. En 2019. Et aussi un jeu de rôle dans lequel on peut jouer des saucisses dans un supermarché. Je crois que t'as tout résumé en fait. Ouais. On a ouais. Tout ouais. Ça, balle finie. Le plan qu'on avait tout au début, on aurait pu aussi se le foutre au cul. Hein. Si cette vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.